trouvé d'abord quelqu'un de très simple, naturel, qui m'a dit tout de suite, TF1, j'achète. Donc maintenant, c'est la guerre. C'est la guerre parce qu'il va bien falloir qu'on ne peut pas vivre à deux. Il faut qu'il y en ait un qui s'en sorte. Alors ben, on verra le plus fort à la sortie. Vous comprenez? C'est de la merde, votre émission. C'était quand même difficile de désigner celui à qui on coupait la tête en premier. C'est-à-dire que tout le monde était heureux de tuer, de voir disparaître la 5, de tuer, de voir disparaître la Gardelle. Canal Plus vient d'être lancé et François Mitterrand décide de créer deux autres chaînes privées. Objectif, prendre de vitesse l'opposition qui veut privatiser l'audiovisuel en 86. Ainsi naît la 5 de Jérôme Sédou et Silvio Berlusconi, mais aussi TV6, une chaîne musicale. Deux chaînes bientôt décapitées sur l'autel de la cohabitation. Victorieuse en mars 86, la droite réattribue la 5 à Robert Hersant, qui fait équipe avec Berlusconi, installe M6 à la place de la chaîne musicale et décide, spectaculairement, de privatiser la première chaîne française, TF1. Début 87, une formidable bataille commence entre les deux groupes candidats au rachat de TF1. Hachette, numéro 1 de l'édition, et Bouygues, numéro 1 du bâtiment. C'est la CNCL, nouvelle instance de régulation créée par le gouvernement Chirac, qui va devoir les départager, à l'aune du mieux-disant culturel. En ce qui concerne TF1, Marie-Laure, deux repreneurs, Francis Bouygues qui a déposé hier son dossier à 20h, entouré de tout son état-major, et Hachette un peu plus tard. Et Hachette un peu plus tard, qui a fait durer le suspense, si j'ose dire, jusqu'à la dernière minute, d'au moins jusqu'au dernier quart d'heure, puisque c'est un quart d'heure avant la fin du délai, un peu avant minuit, que Hachette a déposé son dossier à la CNCL. Les raisons de ce retard ne sont pas sur la place publique. Pour comprendre ce qui se trame en coulisses et pour mesurer l'ampleur du duel qui s'engage entre Hachette et Bouygues, il faut reprendre le fil secret de ce récit, quelques semaines plus tôt, début janvier 1987. Conduits respectivement par Francis Bouygues et Jean-Luc Lagardère, des hommes qui se connaissent bien, les deux groupes sont résolus à conquérir TF1. Mais depuis l'annonce de la privatisation, le groupe Hachette, qui bénéficie d'une tradition d'entreprise culturelle, apparaît comme le grand favori. Hachette a été créé en 1828 par M. Louis Hachette. On a un grand héritage. Peut-être que on se donne l'impression de détenir à la fois une légitimité et liée à cette légitimité une responsabilité. Et puis en face, il y avait un autre candidat, un autre groupe candidat, qui lui avait une formidable expérience des compétitions et des adjudications, et qui avait pris un tout autre parti. Et le problème pour lui, c'était de gagner. On n'a pas l'ombre d'un doute métaphysique, on va gagner. Parce qu'on s'est mis dans le mental de gagner. Bon, si on ne gagne pas à la sortie, il y aura le choc le jour où. Mais entre-temps, il ne faut surtout pas se laisser intoxiquer par cette idée qu'on n'est pas, le favori. Alors. Pour constituer leur dossier, les deux candidats ont pris contact avec le PDG en poste à TF1, Hervé Bourges. J'ai joué le jeu. J'étais un chef d'entreprise. L'État, mon actionnaire, décide que TF1 est privatisé, soit. Et je dois dire que Bouygues a tout de suite réagi et que pratiquement, il ne s'est pas passé deux jours que Patrick Lelay, qui avait été désigné par Bouygues pour suivre cette affaire, ne me téléphone. Il ne s'est pas passé de semaine sans que j'aie eu un coup de téléphone de Bouygues. J'ai déjeuné avec Jean-Luc Lagardère, avec lequel j'ai toujours eu de très bons rapports, mais il m'a dit qu'il avait ses propres informateurs. Je crois qu'à l'époque, c'était Étienne Moujotte. Début 87, on ignore encore à quel prix l'État compte vendre TF1. Chacun des candidats sait qu'il lui faudra trouver des partenaires. Alors que Bouygues reste discret sur ses démarches, Hachette crée la surprise en s'associant avec Havas, présidé par Pierre Dauzier. Encouragé par le gouvernement Chirac, le mariage de l'Empire Hachette avec celui d'Havas, un groupe présent dans la publicité, le tourisme, la radio et déjà dans la télévision avec Canal+, fait l'effet d'une bombe.
Nous avons conscience que les deux H, comme on dit à l'époque, les deux ogres, comme on le dit, ça fait beaucoup. Si Havas et Hachette sont ensemble, ça verrouille, entre guillemets, le dossier. Ça fait une candidature tellement forte qu'elle assure pratiquement le succès. Cette alliance, cette concentration de forces déclenche de violentes réactions dans le monde publicitaire. Havas est pris dans la tourmente, mais le mariage ne va peut-être pas durer longtemps. Fin janvier, le gouvernement annonce le prix pour TF1. Le choc est rude. Nous avons décidé de fixer le prix de cession des 50% réservés aux investisseurs à 3 milliards de francs. Bien sûr, je m'attendais peut-être à un prix un peu plus bas, mais je n'ai pas le sentiment que ceci constitue un handicap lourd, pas plus pour Havas que pour nous. Ce n'est pas l'avis du groupe Havas qui trouve l'addition très lourde. Son PDG, Pierre Dozier, hésite. En face, chez Bouygues, le prix de la une inquiète également. Parce que le jour où j'apprends le prix, d'abord tous mes actionnaires banquiers qui étaient venus sont tous partis. On dit, oulala, beaucoup trop cher. Nous, le groupe Bouygues, on prenait 25%. C'était 1,5 milliard. À l'époque, c'est toujours beaucoup d'argent, 1,5 milliard. Mais à l'époque, c'était très cher. Et alors, le lendemain matin, je raconte une anecdote parce qu'elle m'a toujours marqué. Je vais voir Francis Bouygues à 8h, comme d'habitude, dans le bureau. Et je lui dis, vous avez vu le prix? Bon, il me dit oui. Je dis, vous savez, c'est très, très cher. Ben, il me dit, vous basez sur quoi pour dire que c'est cher? Ben, je lui dis, je me base sur un certain nombre d'études et d'analyses qu'on a faites quand même pour rentabiliser un investissement de cette nature. Ça va être très dur. Il me dit, mais vous y croyez, vous, à vos calculs? Vous avez déjà vu un plan financier qui est vrai et qui est juste? Je lui dis, en fait, non. Ben, il me dit, vous voyez, je vous reconnais bien là avec vos stratégies de mercière de banlieue. Vous allez retenir une chose. Un pays qui privatise sa première chaîne de télévision, c'est unique au monde. Et dans la vie, l'argent compte pas parce qu'on trouve toujours l'argent. Facile à dire. Dans les jours qui suivent, à la recherche d'associés, Patrick Lelay prend contact avec le patron de presse britannique, Robert Maxwell. Et là, il m'a fait la totale comme il faisait, c'est-à-dire que c'était un jour magnifique, ensoleillé, j'ai atterri sur un petit aéroport militaire désaffecté, et il y avait l'hélicoptère de Maxwell qui m'attendait, qui m'a fait remonter la Tamise, et atterrir sur un grand cinéma sur le haut de l'immeuble de l'époque du Daily Mirror. Alors donc j'ai fait mon petit exposé en 10 minutes, un quart d'heure, il m'a demandé une demi-heure de réflexion, puis il m'a dit, bon, allez, on va déjeuner, on va reparler de tout ça. Et à la fin du repas, il m'a dit, bah, c'est d'accord, je prends 15%. Il faut que je vois Francis Bouygues, d'autant que je sais qu'il a une fille qui est très jolie, je voudrais la voir. Et il est venu le lendemain au siège de Bouygues. La rencontre entre Francis Bouygues et Robert Maxwell s'est pas formidablement passée. C'était quand même deux monstres sacrés tous les deux. Je pressentais qu'il y aurait des chocs dans le futur. Mais on conclut. Et là, j'ai fini le tour de table. Donc là, je sais que j'ai une très grosse longueur d'avance sur Hachette, parce qu'Hachette n'a pas de tour de table. La situation est dramatique pour Hachette, car Havas décide finalement de renoncer à la compétition pour TF1. Ce retrait laisse Hachette avec un trou béant dans son tour de table financier, et ceci à quelques jours de la remise des dossiers à la CNCL. Jean-Luc Lagardère se sent trahi par le patron d'Havas, Pierre Dozier. Ce qui est important, c'est qu'en effet, je suis dans l'embarras à ce moment-là, et donc la volonté qu'il avait de me mettre dans l'embarras a bien fonctionné. Le soir du 23 février 87, les groupes Hachette et Bouygues, dont l'affrontement commence à faire la une des journaux, doivent déposer leur dossier pour TF1. Les deux candidats pressentis sont donc venus hier soir présenter leur dossier financier, car ce sera la première étape de l'examen par la CNCL. Première arrivée, le groupe Bouygues et ses partenaires. On arrive à une heure de chrétien, à 7h du soir, on dépose nos dossiers avec nos boîtes reliées, nos brochures. Tout est au point, imprimé, impeccable. Et on attend le dossier d'Hachette. Et le dossier d'Hachette, il n'arrive pas. Oh, je crois que là, il ne faut pas y attacher plus d'importance que ça n'en avait. Je crois qu'on avait des petits problèmes matériels parce qu'on n'était pas tellement rodé à cet énorme travail de préparation de dossier. Je ne sais plus s'il en fallait 20, 30 ou 40. Enfin, c'était considérable. Il n'arrive pas, pourquoi? Parce que Hachette n'a pas réussi à boucler son tour de table. Et dans la soirée, le gouvernement aide Hachette à boucler son tour de table, demande à des banques de venir. Pour la partie financière, ce qui, comme vous le savez, a été un petit peu acrobatique jusqu'au tout dernier moment. Nous, quand on voit arriver le tour de table d'Hachette, parce qu'il dépose le dossier vers minuit moins 10, et qu'on a le tour de table, dans le tour de table, il y a une banque qui n'a pas le droit d'y être. C'est la BNP.
parce que la BNP a été la banque qui a fait la procédure d'évaluation de la société. Donc on est dans le délit d'initié. Donc là, il y a une faille juridique gigantesque, donc vous imaginez bien qu'on s'y engouffre avec un délice. De ce jour, assisté d'une équipe d'avocats, Francis Bouygues va quotidiennement harceler la CNCL et son président Gabriel de Breuil pour obtenir la disqualification du dossier Hachette. Bouygues avait d'ores et déjà, parce que après ça deviendra assez coutumier, laissé entendre que sur le plan juridique, il pouvait contester tel ou tel aspect de la procédure, ce qui tétanisait les plus éminents magistrats de la CNCL. Dès ce matin, l'actualité audiovisuelle, c'était une troisième lettre de Francis Bouygues à la CNCL. Il y affirmait que ce n'était pas une simple protestation, mais un recours lourd de conséquences. Il demandait à nouveau que la commission statue et disqualifie Hachette, une exigence que Gabriel de Breuil ne semblait pas apprécier. Ce que nous aurions tendance à demander, pour le moment, c'est un peu de silence. Quand j'ai vu Gabriel de Breuil dans son bureau, il s'en souvient, donc je peux le raconter, je lui ai dit, c'est effrayant parce que c'est un éminent membre du Conseil d'État, je lui ai dit, je veux vous attaquer au Conseil d'État personnellement si vous conservez le dossier. Je lui ai dit, monsieur, vous ne pouvez pas me dire ça. Il me met presque à la porte du bureau, mais je lui ai dit, écoutez, je ne vais pas vous dire ça avec agressivité, je vais vous le dire parce que c'est la loi. Alors, il faut appliquer la loi. Donc là, il y a un vrai désordre. Donc Hachette est perdu déjà ce jour-là. Tout au long du mois de mars, les rapports s'enveniment entre Hachette et Bouygues. La BNP doit finalement se retirer du projet Lagardère. Mais au lieu de calmer le jeu, ceci donne de nouveaux arguments au groupe Bouygues pour contester la régularité de la compétition. Présentant son équipe à la presse, Jean-Luc Lagardère se veut serein et confiant. Nous avons travaillé sainement et nous n'avons travaillé que sur le fond des problèmes et non pas sur leur surface procédurière. Mais Francis Bouygues ne se bat pas uniquement sur le terrain juridique. Tirant force de sa position d'outsider, il s'est lancé avec Patrick Lelay dans une opération de lobbying intensif auprès de chacun des membres de la CNCL. Il faut d'abord se faire connaître, parce qu'on n'a aucune crédibilité, zéro. Se faire connaître de ceux qui vont avoir à décider, c'est les membres de la CNCL. Il y en a 13. Donc là, on fait du lobbying, au sens noble du terme. Dans un concours comme celui-là, je considère qu'il n'y a pas place pour du lobbying politique. Il y a 13 membres que l'on a visités 5 fois. Francis Bouygues a dû les voir 2 fois, moi 5 fois, scientifiquement. Alors vous savez, la première fois, vous vous présentez, bon, à partir du moment où vous êtes poli, ce sont des gens agréables, a priori, bon, ils vous reçoivent. La seconde fois, ils se disent, alors, ouais, on peut les écouter. La troisième fois, on avait commencé déjà à monter un tour de table, on devient à peu près crédible. La quatrième fois, ils se disent, ah, c'est quand même des gens, il faut quand même regarder ça. Puis la cinquième, ils se disent, ben, ils sont peut-être meilleurs que les autres. Donc, c'est 65 rendez-vous, hein, ça prend du temps. Et puis, il faut comprendre la psychologie de chacun et se présenter sur le meilleur jour. Quand vous avez un dossier à monter, il vaut mieux qu'il soit bien présenté qu'une faveur rose. Je dois dire qu'on aurait eu un peu honte à pratiquer des déjeuners, des dîners, des promenades. Ce n'était pas notre style. Nous pensions que ce n'était pas le style des autres non plus. D'ailleurs, je veux parler de la CNCL. Apparemment, là aussi, nous n'avions pas la lucidité totale des événements et de l'environnement. Fin mars, à quelques jours des auditions publiques devant la CNCL, Hachette reste favori et mise sur les professionnels qui sont à ses côtés. Tandis que l'équipe Bouygues, elle, s'entraîne chaque jour avec Bernard Tapie et répète méthodiquement devant des caméras sa future prestation. On a été repérer les lieux, puisque la CNCL à l'époque est installée rue Jacob. C'est pour d'ailleurs un lieu extrêmement convivial, c'est un hall. Et on sait qu'il va y avoir une table, il va y avoir tous les membres qui seront là. Et puis nous, on sera en face avec une autre table. Donc on recrée le même décor, on met des faux membres en face de nous, et puis on organise la table telle qu'elle va être, Francis Bouygues qui va être là. Puis on va disposer les autres membres par ordre préférence. Et on fait 4 jours de répétition intensive, dans lequel on lit nos déclarations liminaires, et puis on se fait interroger sur le dossier de la façon la plus variée possible, la plus impromptue possible. Allez, ok, alors on va y aller. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver cet après-midi pour la séance d'audition pour la reprise de TF1 dans le cadre de la privatisation. Ah oui, on fait un vrai training. Alors je ne vous ai dit pas qu'au début, on était épouvantablement mauvais. Et finalement, on s'aperçoit qu'avec un peu de temps, en 3-4 jours, on se perfectionne à la télévision. Patrick Lelay,
que j'ai choisi comme responsable pour ce projet va vous révéler tous les engagements que nous prenons ici devant vous et devant les Français pour les convaincre. Alors évidemment, le plus dur à manager, c'est Bernard Tapie, parce que lui, il veut tout faire. Bon, alors, je rappelle bien la chronologie. Il faut qu'on les pousse complètement par cœur dans la tête. Francis commence, il lit son texte. Quand il a terminé son texte, il présente ses partenaires. Tout d'abord, premier, Robert Maxwell. Robert Maxwell. Voilà, Robert Maxwell fait son truc. Il revient sur toi quand je lui dis pas merci. Non, rien. Quand il te regarde, tu sens qu'il a compris. Tu dis, je vous présente maintenant Evelyne Prouveau. Je vous présente maintenant Evelyne Prouveau. Là, tu dis, monsieur Clermont-Tonnerre. Antoine de Clermont-Tonnerre. Voilà. Tu peux le montrer de la main. Oui. Jacques Duquesne. Jacques Duquesne. Et l'Oiseau. Et Bernard Tapie. Voilà, là. Bon, et puis là-dessus, moi, je dis, je suis content en tout cas, oui, machin, etc. Et Patrick Lelay. C'est toi qui raccroches. Voilà, je raccroche sur Patrick Lelay. Et on n'oublie jamais, Chive le sourire. Le sourire. Suspicion commune, une petite erreur l'un ou l'autre. On continue. Sourire, on continue. Sourire, pour faire un sourire. Excusez-moi. Ouais. Non, c'est excusez-moi, on continue. Voilà. Donc, vous êtes prêts là-bas? Et enfin, vous nous faites des sourires. Oui, je souhaiterais poser une question à M. Bouygues concernant la politique sociale. Comment vous envisagez maintenir les conventions collectives? Il a dit, on s'est tous pas d'accord avec moi. Bravo, Madame Pascal. Ah, on n'a rien laissé au hasard. C'est une vraie opération militaire. Oui, bah, comme quand il y a une opération militaire, il faut que l'intendant suive. Bah, tout est super organisé. Il n'y a pas eu quelque chose, un détail laissé au hasard. On est à la veille d'être propriétaire. On a tout fait pour ça. On s'est fait. C'est l'apothéose. C'est le dernier jour. On nous remet la coupe ce soir. Tu garantis? Oui. Alors, vous rendez compte? On nous remet la coupe dans quelques instants. On est heureux d'être là. C'est fabuleux. Quoi. Hein, et voilà comment on va le faire. On arrête l'enregistrement et on va visionner, si vous voulez bien. Vendredi 3 avril, au siège de la CNCL, c'est le grand jour. Alors, Hachette, premier auditionné ce matin à 10h. Jean-Luc Lagardère, entouré de son équipe. Accompagné de Christine Ockrent, d'Yves Sabouret et d'Étienne Moujotte, Jean-Luc Lagardère défend pendant 2 heures son projet pour TF1. L'accueil de la CNCL est froid, pour ne pas dire glacial. Les engagements d'Hachette pour satisfaire au mieux disant culturel ne réchauffent pas l'atmosphère. C'est que le travail de sape entrepris par Bouygues a produit ses effets. Les menaces d'un recours au Conseil d'État, si Hachette l'emportait, vont faire le reste. Dans ces conditions, la CNCL a tout à craindre d'une victoire d'Hachette. Ce n'est donc pas un hasard si la tonalité de l'audition du groupe Bouygues dans l'après-midi est radicalement différente. Et c'est cet après-midi à 15h qu'intervenait le groupe Bouygues. Francis Bouygues et ses partenaires présentaient à leur tour leur projet. Et puis alors là commence la surprise. Parce que entre cette cérémonie assez académique et assez digne et froide, quasi sorbonnarde du matin, et puis ces entretiens conviviaux faits de sourires et de questions plus ou moins complices et de camaraderie, ils pouvaient pas se taper dans le dos parce qu'ils étaient à 3 mètres de distance, mais enfin on avait l'impression que psychologiquement c'était un petit peu comme ça, et qui se terminait par « Ah, mais est-ce que vous avez même peut-être pensé à un projet de siège pour la future télévision privée, qu'à cela ne tienne, et on amenait la maquette, etc. » Assisté de Patrick Lelay, Robert Maxwell, Bernard Tapie, Francis Bouygues emporte très vite l'adhésion d'une CNCL ravie de le voir soutenir son projet avec professionnalisme et bonhomie. Spectateur de cette audition diffusée en direct sur TF1, l'équipe Hachette n'en croit pas ses yeux. C'était assez drôle, et l'un d'entre nous, pas moi, mais l'un d'entre nous s'est mis à hurler, on est fabriqué. Mais c'était tellement cousu de fil blanc qu'on s'est dit vraiment, bon, il n'y a plus rien à faire, et voilà. Là, on a compris quelque chose, on a compris qu'on n'avait pas tout compris. Au lendemain de ces auditions, samedi 4 avril, la CNCL délibère. À 13h, elle passe au vote. TF1, c'est fait. La CNCL a fait son choix. Cet après-midi, elle a attribué la première chaîne de télévision au groupe Bouygues. 10 voix pour Bouygues et 3 pour le groupe Hachette.
Ensuite, Bouygues, je me souviens, j'étais à déjeuner chez Prunier. Et je dérange de son déjeuner. Hein. Il dit au téléphone, il dit, qu'est-ce que vous me voulez? Ben, je lui dis, on a gagné. Il me dit, on a gagné quoi? Je lui dis, on a gagné TF1. Ah bon? Bon, puis bon, ben, il dit, ben, passez me voir, je vais retourner manger mes huîtres. Il m'a dit, c'était pour l'ombre d'une émotion particulière. Le soir même, Francis Bouygues est l'invité du journal de 20h de la chaîne qu'il vient de conquérir. Vous m'excuserez, parce que ce soir, je suis très ému. Pour moi, aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. Merci au président et à tous les conseillers de la CNCL qui nous ont fait confiance. Je tiens à leur répéter qu'ils ne seront pas déçus. Invité samedi soir aux 20h, avant de devenir le PDG de la chaîne, Francis Bouygues a visité Cognac-Jay. Visite rapide et pour nous, en accéléré. À la même heure pour Hachette, c'est le choc de la déception et le regret de n'avoir pas mieux mesuré les dangers de la stratégie Bouygues. À l'arrivée, il n'y a pas eu photo. Et nous avons été effectivement des enfants de cœur de cette affaire. Alors, je ne dis pas que ça a été pipé, je ne dis pas... Je ne veux rien dire de tout cela. Je dis simplement que si j'avais su que le jugement serait fait de cette manière, je n'aurais pas concouru. Vous comprenez que, lorsque je vois dans les présentations, d'un côté l'éventail de tous nos talents, et de l'autre, M. Maxwell et M. Tapie, avec le recul, j'ai une satisfaction interne profonde. Dans les jours qui suivent, la privatisation est effective. Au cours d'un conseil d'administration, Hervé Bourges cède le fauteuil de PDG à Francis Bouygues. Pendant quelques semaines, il gardera un rôle de conseiller. Patrick Lelay, lui, devient vice-président de TF1. Mais avant toute chose, Francis Bouygues a dû signer le plus gros chèque de son existence à l'Ordre du Trésor. Un chèque de 3 milliards de francs remis ce matin pour 50% de la chaîne, acquis par lui-même et ses partenaires. Un gros chèque, mais aussi un contrat de cession qui donne le sourire et les poignées de main. Elle est bien placée. J'en suis certain. Merci. Symboliquement, le passage de TF1 du service public au secteur privé est célébré au cours d'une gigantesque fête qui rassemble 7000 invités aux pyramides de Port-Marly. Le tout audiovisuel français est réuni là, tandis que courent les premières rumeurs sur l'avenir des vedettes du petit écran. Dans la mare aux stars, chacun patauge pour arracher le meilleur contrat. Entre strass et stress, les forçats du micro ne veulent plus être des ouvriers à la chaîne. L'aspect budgétaire est important pour les émissions. Mon aspect financier à moi l'est également. Dernière nouvelle, droit de réponse n'est pas menacé. J'ai certaines hésitations entre la 1 et la 5. Tout à la joie de sa victoire, Francis Bouygues n'imagine pas une seconde que les stars de TF1 puissent quitter sa chaîne. On reprend toutes les stars qui sont dans TF1. Le numéro 1 mondial du bâtiment serait moins affirmatif s'il savait ce qui se prépare. La première bataille de la guerre des chaînes vient de commencer, sur le front des stars. Au printemps 1987, la privatisation de la Une marque la fin des grands travaux, initiés par les gouvernements de gauche puis de droite, dans ce qu'on appelle désormais le paysage audiovisuel. Un paysage bouleversé par les réformes successives et déséquilibré dans son financement. Fruit de décisions politiques aux conséquences mal calculées, cet audiovisuel comprend désormais, après la réattribution de la 5 au groupe Hersant et de la 6 à la CLT, 5 chaînes généralistes, dont 3 privées et 2 publiques, toutes condamnées à lutter pour survivre. Ça fait 5 chaînes à caractère généraliste qui vont devoir se partager la manne publicitaire. Petit problème d'arithmétique. Le marché publicitaire français peut-il nourrir 6 chaînes de télévision? Besoin estimé pour TF1 privatisé, plus de 3 milliards de francs. Antenne 2 et FR3 continueront de percevoir la redevance, mais absorberont à L2 3 milliards supplémentaires. Pour équilibrer ses comptes, la 5 devra engranger 2 milliards de publicités par an, Métropole TV 1 milliard, sans oublier Canal+, soit 500 millions. Total, 10 milliards de francs. Problème évident, le marché publicitaire français n'est pas extensible. La chasse aux annonceurs est déjà ouverte, mais les publicitaires ont une règle d'or. Ils n'investissent que chez les vainqueurs. Malheur donc à la chaîne qui se laissera distancer dans les sondages d'audience. Un homme connaît parfaitement cette règle d'or. C'est le partenaire de Robert Hersant, Silvio Berlusconi.
En Italie, il a bâti un empire sur l'audience et les recettes publicitaires drainées par les stars. À Paris, son objectif est clair, vider la Une de ses vedettes au profit de la 5. TF1 est attribué à Bouygues, et à ce moment-là, Silvio Berlusconi nous dit « Maintenant, il faut aller vite ». Alors on dit « Mais pourquoi ?» Il faut acheter les vedettes avant que les bétons y deviennent secs. Pour faire la télévision, il faut avoir des stars qui sont dans le cœur du public. Et nous essayerons de les avoir. Des stars d'Antenne 2, de TF1 ? Des stars. Nous avons cru à son expérience et nous avons fait des propositions aux principales vedettes de TF1. Il y a tout le monde. Il y a Bouvard, c'est côté Hersin, Sébastien, c'est Berlusconi. Berlusconi va dans la loge de Sébastien qui faisait un spectacle au théâtre. Tous les deux, je pense aussi Hersin, vont discuter ensemble. Mais plus que de leur dire, on va vous donner deux fois plus ou trois fois plus que ce que vous gagnez maintenant, on leur a proposé de leur donner la responsabilité de la production de leurs propres émissions. Les stars de la télévision française sont en train de vivre les moments hollywoodiennes. Nous sommes, l'UTC devient vraiment Hollywood, vraiment, on commence les contrats, tu veux combien? Pas. Si vous venez sur la 5, vous avez 10 millions, 20 millions, 30 millions, et le ticket d'arrivée, si je puis dire. Donc c'était des sommes astronomiques, hallucinantes. Mais on s'est trouvé face à deux fauves lâchés dans la nature, qui étaient Hersin et Berlusconi, qui avaient leur 5. Donc Berlusconi, il va voir Patrick Sébastien, Patrick Sabatier, Colaro, avec des ponts d'or. Je n'ose pas donner les chiffres. Par exemple, quelqu'un comme Patrick Sabatier était le mieux payé de TF1 Public avec 120 000 francs par mois. Je pense que les négociations devaient lui permettre d'ajouter un zéro à cette rémunération. Non, je ne donnerai pas les chiffres. Je me souviens que l'agent de Patrick Sabatier vient me voir en me disant « Voilà, si vous voulez le contrat, c'est ça ». Et moi, je crois que c'est des anciens francs. Et pourtant, je me dis, si je mets ça en nouveaux francs, c'est quand même pas assez cher. Donc, je ne comprends pas. Et quand il me dit, mais non, mais c'est des nouveaux francs, je le mets à la porte parce que je lui dis, mais vous n'avez pas le droit de me proposer des choses pareilles. Il me dit, écoutez, vous réaliserez vite que c'est ça la vérité. Donc, ce sont des sommes gigantesques. Gigantesques. Les stars se voient offrir par la 5 plus de 3 millions de francs par émission. L'opacité des tractations aidant, leur transfert est parfois accompagné d'une prime de plusieurs millions de francs. Mi-avril 1987, à Cannes, au marché des programmes de télévision, Sabatier, Colaro et Sébastien annoncent leur départ pour la nouvelle 5. L'équipe Bouygues enrage. Un conseil de guerre se tient sur le yacht de Robert Maxwell. Et on a tenu une réunion dans l'immense salon salle à manger du bateau. Et là, Robert Maxwell a dit « Vous êtes comptable de nos profits, il est hors de question de surenchérir, donc débrouillez-vous ». Alors Maxwell n'était pas content, parce que Maxwell dit « j'ai mis beaucoup d'argent ». Bon, c'était pour le sien, c'était celui du Crédit Lyonnais à l'époque. J'ai mis beaucoup d'argent et j'ai été trompé sur la marchandise. De cette époque date la dérégulation du système par l'afflux d'argent. Qu'il s'agisse de stars, de films ou de manifestations sportives, la surenchère est permanente. L'autre problème qui a coûté très cher à TF1, et qui d'ailleurs coûte encore aujourd'hui très cher, c'est le football. Et on a découvert effectivement que tout flambait. Alors là, il se passe un événement qui déclenche la guerre. Parce qu'il y a tout de même un moment où on dit que c'est de la folie. Donc on va voir Francis Bouygues et moi, on va voir Hersin Berlusconi. On leur dit, écoutez, on a un contrat de football. Il y a un match qui était Bordeaux contre Leipzig, je me souviens toujours, en Coupe d'Europe. Il est dans notre contrat, il est à 300 000 francs. Vous êtes en train de faire une offre gigantesque. Vous allez tout casser. Et ils nous disent, bon, ben, vous avez raison. Mais le temps qu'on sorte, alors qu'ils nous ont calmés et qu'on a confirmé notre offre à 300 000, eux, ils font une offre à 3 ou 4 millions. C'est l'explosion du football. Et moi, je me souviens très bien, j'ai appelé Robert Hersin, je lui ai dit, écoutez, ce que vous avez fait, c'est pas bien. Ça, ça se fait qu'une fois dans la vie. Vous l'avez fait, donc on n'a plus confiance, donc maintenant, c'est la guerre. C'est la guerre parce qu'il va bien falloir qu'on ne peut pas vivre à deux. Il faut qu'il y en ait un qui s'en sorte, alors ben, on verra le plus fort à la sortie. C'est la guerre. Et à l'été 1987, Francis Bouygues ne paraît pas avoir l'avantage. À grand renfort de campagne publicitaire, la 5, elle, croit préparer une rentrée triomphale en s'appuyant sur les stars. La première fois, une chaîne de télévision va pouvoir offrir à ses téléspectateurs la somme de 100 millions de centimes. Vous avez bien écouté, 100 millions de centimes. Mais la 5 a vu trop grand.
Disposant d'un faible réseau d'émetteurs, elle est reçue dans peu de foyers. Quant aux stars, le public ne les suit pas de TF1 vers la 5. Les nouvelles émissions sont des flops hors de prix. Robert Hersant est consterné. C'est un échec, il faut le dire, un échec total, violent, dont nous avons pris conscience très rapidement, dont Robert Hersant a pris conscience très rapidement. Et ça, je l'appelle Hersant formidable. Il l'appelle à Bouval Perrer, on appelle Sébastien Leprimi, il regarde dans les yeux. Et il est, quand il est vexé, Hersant avait un peu des yeux, moi je l'appelle rouges. Il avait son regard toujours très intense, toujours très autoritaire. Il regarde, dit, vous comprenez, c'est de la merde votre émission. C'est nul, on ne peut pas continuer comme ça. Sébastien, le pauvre, il n'est pas capable de dire un mot. Il dit, oui, c'est vrai, excusez-moi, mais non, on cherche vraiment à répondre. C'est fini. C'est fini. L'échec retentissant de la Nouvelle 5 est le début d'un engrenage financier infernal pour Hersant et Berlusconi. L'expérience se solde par un déficit proche du milliard de francs. Les relations entre le patron du Figaro et le mania italien commencent à se dégrader. Pour Francis Bouygues, qui vient d'engager les professionnels du dossier Hachette, c'est une première victoire sur la 5. Bientôt, avec des contrats en or, il reprendra Colaro, Sébastien et Sabatier, renvoyés de la 5. En attendant, Bouygues affirme son pouvoir sur TF1 en remerciant du jour au lendemain un animateur et son émission phare, Droit de réponse. Le licenciement de Michel Pollack provoque aujourd'hui, vous en doutez, une avalanche de commentaires et nouveau des titres percutants du style Pollack coulé dans le béton, Bouygues coupe les ponts ou encore Pollack viré, la CNCL venge. Enfin, qu'on n'a pas le droit de critiquer Bouygues, c'est grave, c'est deux sujets importants quand même. Le droit de critiquer la CNCL, un homme ne va pas se priver de l'exercer. C'est le président de la République, très irrité par les décisions et le comportement de cette instance créée par François Léotard. Fin septembre 1987, dans une interview au Point, François Mitterrand tire à boulet rouge sur cette commission à laquelle il reproche son manque d'indépendance et de n'avoir rien fait qui puisse inspirer ce sentiment qu'on appelle le respect. À la même période, l'onde de choc de la privatisation commence à toucher un secteur public qui, faute de moyens et de dirigeants d'envergure, devient le parent pauvre de l'audiovisuel français. Sans le dire, beaucoup regrettent à Antenne 2 et FR3 que leur chaîne n'ait pas été privatisée à la place de TF1. Ce sont des états d'âme que n'ont pas deux autres chaînes. Canal+, qui sous la présidence d'André Rousselet approche les 2 millions d'abonnés, et M6, qui avec un réseau plus réduit encore que celui de la 5, opte pour une stratégie de longue haleine. En résumé, pour son PDG Jean Drucker, d'abord survivre. La petite chaîne Plus du Monde, c'est pas du tout, ça doit rien à la modestie, c'est tout à la lucidité. C'est-à-dire que petit nous l'étions, et monter, c'était même pas une ambition, c'était une nécessité, c'était une question de survie. Début 1988, la cohabitation touche à sa fin. L'audiovisuel français va-t-il une fois encore être tributaire des échéances électorales ? Monsieur le Président, êtes-vous à nouveau candidat à la présidence de la République ? Oui. Alors dans ce cas, une chose est certaine, si François Mitterrand l'emporte sur Jacques Chirac, les jours de la CNCL sont comptés. Confortablement réélu en mai 88, François Mitterrand confie le gouvernement à Michel Rocard. Jacques Lang retrouve le ministère de la Culture, mais pas seulement, et pas seul. Il est aussi en charge de la communication avec une femme que Mitterrand avait nommée à la CNCL, Catherine Tasca. Rapidement, la décision est prise de remplacer la CNCL par une nouvelle instance de régulation, le CSA. Le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a été installé officiellement tout à l'heure. La nouvelle instance qui va régir les radios et les télévisions a été mise en place par le chef de l'État. À la présidence de ce conseil, dont la composition est plus administrative que professionnelle, François Mitterrand désigne un haut fonctionnaire qui fut un bref PDG de TF1 en 1981, Jacques Boutet. Après la Haute Autorité et la CNCL, c'est la troisième instance de régulation audiovisuelle dont se dote la France en 7 ans.
De quoi donner peut-être à Jacques Boutet le sentiment d'aller au casse-pipe. Au casse-pipe, on n'y croit pas, hein, parce qu'on n'est jamais très modeste dans ces cas-là. Hein. Si, bon, les autres ont échoué, mais les circonstances sont pas. Il faudra bien qu'il y en ait une qui réussisse. Le CSA va connaître sa première épreuve dès l'été 1989. C'est à lui qu'il incombe en effet de choisir un PDG commun aux deux chaînes publiques, Antenne 2 et FR3. La décision d'instaurer une présidence commune est une conséquence du déséquilibre accru ces dernières années entre secteurs publics et privés. Disparité salariale, redevance trop faible, inflation sur les droits audiovisuels. Face à l'empire de TF1 et au coup de boutoir de la 5, les chaînes publiques sont en perte de vitesse. À l'automne 1988, Antenne 2 et FR3 ont vécu leur plus longue grève depuis l'éclatement de l'ORTF en 1974. L'idée qui préside à la réforme engagée par Catherine Tasca et Jack Lang consiste à rapprocher et harmoniser les deux grandes chaînes publiques. Cette idée de présidence commune m'est venue à l'esprit lors d'une conversation avec Patrick Lelay, qui était le président de TF1, un homme au demeurant d'une grande intelligence, un vrai professionnel, un homme qui sait faire. Il faut toujours écouter avec attention ce que dit Patrick Lelay. Et il m'a dit ce jour-là, parce que nous bavardions un petit peu de l'équilibre du système, il m'a dit quel dommage que je ne puisse pas en même temps gérer la 5 ou la 6. Alors je lui dis, mais vous voulez devenir le maître absolu de tout? Il me dit non. Ou plutôt, il m'explique que s'il détenait deux réseaux, il pourrait assurer des rediffusions, assurer des programmations complémentaires, ici une programmation plus grand public, là une programmation plus pointue. Et je me suis dit, l'écoutant parler, quelle ingénieuse idée! Pourquoi ne pas l'appliquer au service public? Et j'en ai parlé avec Catherine Tasca, qui a trouvé l'idée ingénieuse, et progressivement elle a fait son chemin. Oui, sans doute, oui, ça doit être cette idée-là. C'est Jacques Lang qui souffle à Catherine Tasca une mauvaise idée que je lui ai donnée, sûrement, oui. Oui, là, j'aurais mieux fait de me taire ce jour-là. Oui. La présidence commune est une chose à laquelle j'ai beaucoup tenu, personnellement. J'ai en effet dû beaucoup travailler, beaucoup de gens, beaucoup d'instances pour obtenir le feu vert là-dessus. En août 89, à quelques jours de l'élection du président commun, des candidats vont être auditionnés par le CSA. Encouragé par l'Élysée, mais aussi par Jack Lang et par le président du CSA, l'avocat Georges Kiegemann est donné favori. Mais plutôt qu'un avocat de renom, Catherine Tasca aimerait voir un professionnel à la tête d'Antenne 2 FR3. Encouragé lui aussi par le pouvoir, l'ex-PDG de TF1 Hervé Bourges est bientôt sur les rangs. J'avais bien envie de revenir à la télévision, j'avais pas envie d'être candidat. Pour une raison très simple, c'est que directeur général de Radio Monte Carlo, depuis la fin 1988, j'avais pas envie d'échouer dans cette candidature. Et je me demandais ce que Georges Kiegemann venait faire là. Dans un premier temps, on me laisse croire que Hervé Bourges ne sera pas candidat. Alors, je ne conteste pas à l'époque la compétence d'Hervé Bourges, et donc si j'avais pu penser qu'il le serait, ça aurait été un élément de réflexion négatif pour moi. Le CSA se retrouve donc avec deux favoris. Ceci place l'instance de régulation, dont 6 membres ont été nommés par la gauche et 3 par l'opposition, devant un dilemme. Paraître donner satisfaction au pouvoir, ou bien se défausser sur un outsider. Une partie des membres du CSA, ne souhaitant voir arriver aucun de ces deux candidats, ont réellement organisé l'arrivée d'un outsider. C'est à ce moment-là que Philippe Guillaume nous a fait savoir que peut-être il pourrait être candidat, ne serait-ce que pour apporter une diversification dans les candidatures. Et que c'est vrai que nous étions au moins 3 à penser que ce serait souhaitable, même s'il y avait très peu de chance. Peu de chance, mais suffisamment pour un homme habile. Président depuis 2 ans d'une SFP qui bat de l'aile, Philippe Guillaume va jouer à fond la carte du sauveur gestionnaire qui se veut apolitique. Les 9 et 10 août, le CSA auditionne les candidats. Jusqu'au dernier moment, chacun pense que le titre se jouera entre les deux favoris. Mais à 18h30, le verdict tombe. Contre toute attente, Philippe Guillaume l'emporte.
Considérée par le gouvernement comme une bourde du CSA, cette nomination provoque immédiatement des réactions hostiles. Je le dis très franchement, j'ai été attristé. Et comment peut-on en arriver là ? La présidence commune, c'était pour moi, d'une certaine manière, plus important. Parce que c'est l'idée qu'avec quelques autres, je m'étais faite de l'avenir d'un service public fort face à la concurrence du privé. Donc, le premier personnage qui allait donner corps à ça, c'était, à mes yeux, tout à fait décisif. Et c'est vrai, même si ça a pu être senti comme injuste, que d'emblée, je n'ai pas cru que Philippe Guillaume pouvait l'incarner. La présidence commune est mal partie. Les relations entre Philippe Guillaume et le gouvernement vont tourner au conflit à répétition. Les rapports du pouvoir avec le secteur privé ne sont pas davantage au beau fixe. La 5 et M6, qui recourent à une programmation très américaine, sont dans le collimateur des ministres. Ceux-ci veulent imposer aux heures de grande écoute des quotas d'œuvres françaises. Dans la vie, il faut un minimum d'honnêteté. Lorsqu'on prend un engagement, on le tient. Chacun des candidats à la direction de ces chaînes s'était engagé à consacrer une part très importante de leurs investissements et de leurs programmes à des émissions culturelles, à la création d'œuvres originales. La 5 était une chaîne qui, contrairement à ce que Robert Arsan avait dit quand on l'avait confié, ne faisait pas du tout une programmation familiale pour les enfants, pour être vu par tout le monde, etc. Mais c'était lancé dans une programmation très provocatrice. Il faut savoir aussi qu'Arsène commence à comprendre des choses, à comprendre la télévision. Il faut savoir ça, qu'il commence à savoir aussi que les télévisions américaines, que pour lui c'est de là, ne sont pas bien. Il commence à l'accepter quand il regarde l'audience, il dit, eh oui, c'est vrai, c'est nul, mais il fait de l'audience. Moi, avec mes programmes que je vais faire, je fais pas de l'audience. Il commence à être réaliste. Il commence à accepter les principes de la réalité. Et alors, avec un peu de honte, et Arsan, il commence à accepter vraiment que la chaîne doit être américaine, qu'elle doit faire des séries. Donc, ces fameux quotas dont on a beaucoup parlé, ils ne faisaient que traduire les engagements qui avaient été pris par ces candidats à la direction de ces chaînes. La querelle sur les quotas se double d'une polémique à propos du nombre de chaînes. Devant les difficultés financières rencontrées par la 5 et M6, Catherine Tascal lance un pavé dans le PAF en déclarant qu'il y a une chaîne privée de trop. Bon, d'abord, très franchement, je cautionnais cette déclaration. Elle a eu le courage de la faire. On a dit maladresse, peut-être, mais elle a dit la vérité. Alors, dans la bouche de Catherine Tascal ou de Jacqueline, selon les moments, le thème général était « il y en a fait une chaîne de trop ». Mais selon les moments, c'était une attaque anti-Hirsan. C'est la 5 qui est dans votre esprit. Quand je dis il y a une chaîne de trop, personnellement, oui. Mais de plus en plus, et surtout à partir du moment où la 5 a eu des difficultés, le suivez mon regard était dirigé vers la 6. C'était quand même difficile de désigner celui à qui on coupait la tête en premier. C'est agréable de faire de la télévision dans des conditions pareilles. Malgré l'audience des séries américaines, la 5 approche de 2 milliards de déficit. Hirsan est aux abois. Il reproche à Berlusconi, principal fournisseur de la 5, de vendre trop cher ses programmes. De son côté, l'Italien estime qu'Hirsan gaspille l'argent de la chaîne avec l'information qui ne rapporte pas de publicité. La méfiance règne, aussi pour une autre raison. Secrètement, Berlusconi essaie de négocier depuis des mois une alliance avec Bouygues. Une entente qui pourrait déboucher sur un mariage de TF1 avec la 5. Comment elle peut chercher un accord? Pour quelle raison Bouygues peut trouver un accord avec Berlusconi? Très simple. D'abord, parce qu'il y avait sur les plateaux du PAF, sur la table du PAF, il y avait vraiment une urgence. Couper la tête à la 5. Bah, moi, tout ce qui pouvait déstabiliser la 5, vous pensez bien que je sautais sur toutes les occasions qui se profilaient. Donc j'avais fait un travail, psychologique, d'agite propre, pour
démobiliser le groupe Berlusconi par rapport à son associé Robert Hersant. Et ils étaient en conflit d'ailleurs. Moi, je me souviens avoir rencontré plusieurs fois Robert Hersant, parce que je le voyais, et il me disait, je suis catastrophé. Je dépense un argent fou, et je ne fais que perdre. Et Berlusconi le lui reprochait beaucoup. Seulement, Robert Hersant avait aussi beaucoup à reprocher à Silvio Berlusconi, parce que Silvio Berlusconi, lui, il se promenait en permanence avec ce qu'on appelle son catalogue. Les trésors des guerres de Berlusconi, c'est-à-dire l'achat des programmes qui aujourd'hui font la loi, les succès de la une et de la grille d'aujourd'hui. Le film américain, premier passage, première diffusion, très fort, très important. Et lui, il se disait, il faut que j'arrive à continuer à vendre mon catalogue. Donc c'était vraiment un poker menteur. Parce que moi, je essayais de le séduire en lui disant, vous serez beaucoup mieux dans la une, ça va gagner beaucoup d'argent. Et lui, il se disait, je vais arriver à leur fourguer mon catalogue à la sortie. Bon, et il y avait des discussions à n'en plus finir. Alors, moi, je disais, je veux bien, mais je veux le voir. Il ne le montrait jamais. C'était du plus gros comique. On ne voyait jamais le catalogue. On n'arrivait jamais à le connaître. Il disait, il est formidable. Vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Il disait, non, on ne va pas l'acheter les yeux fermés. Mais finalement, c'est lui qui est plutôt venu que nous. Et il est venu. Il a même un moment où il a acheté des titres de Bouygues. Et il a été au conseil d'administration du groupe Bouygues. Et vous l'y encouragiez à cette époque? Beaucoup, oui. Parce que tout ce qui l'amenait chez nous le dessoudait de l'autre. Les discussions traînent avec TF1. L'accord ne se fait pas. En septembre 1989, coincé sur la 5, Berlusconi décide de jouer le tout pour le tout et d'évincer Hersant. Il fait alliance avec celui qui fut le premier actionnaire de la 5 et qui a conservé une petite part du capital, le président de Chargeurs, Jérôme Sédoux. On entend déjà des rumeurs de plus en plus persistantes sur la probable éviction de Robert Hersant de la direction de la 5 au bénéfice de Jérôme Sédoux. Berlusconi Sédoux s'attaque à la gestion de la chaîne de télévision qui a perdu 1,6 milliard de francs en un an et demi. Si l'offensive réussit, Jérôme Sédoux, un grand capitaliste classé à gauche, va ainsi retrouver la présidence de la 5 dont il avait été évincé en 1986 au bénéfice de Robert Hersant. Techniquement, l'opération s'apparente à un putsch. Avec l'aval de l'Élysée, du gouvernement et la bienveillance du CSA, Sédoux et Berlusconi offrent de racheter leur part à plusieurs petits actionnaires de la 5. Ceci à la veille d'un conseil d'administration au cours duquel Hersant sera démissionné. Certains actionnaires sont prêts à vendre. Et si tous ces actionnaires qui sont prêts à vendre, qui ne croient plus à l'avenir de la 5, qui veulent uniquement récupérer leur argent, vendent et nous vendent, s'ils vendent tous, eh ben nous étant un groupe Berlusconi, disons chargeur, aura la majorité. Et puis ça n'a pas marché. Vous l'apprenez comment? Ça se passe comment? Ça n'a pas marché parce qu'on a vu arriver un paquet de souscriptions tous en même temps, avec la même machine à écrire, la même manière de la remplir, donc on s'est dit, il y a un coup. C'est à ce moment-là, donc j'ai appelé M. Hersant, j'ai dit, il y a un coup, et il m'a dit, on annule le conseil d'administration de demain. Et M. Hersant a fait croire qu'il était prêt à négocier. Mais Monsieur Hersant, vraiment, c'est un génie des coups d'État. C'est pas un Italien qui peut vraiment détruire Hersant. Ça, il faut le reconnaître. Et Hersant, il joue de façon magnifique. Il laisse arriver les choses. Il retrouve tout. Il fait vraiment. À la fin, je sais seulement une chose. Les matins, on a vraiment la certitude d'avoir la 5 sous les contrôles de Berlusconi. Et un peu de Sédoux, les soirs, Hersant est plus fort que les matins. Il est vraiment, il a les contrôles totaux. Le tandem Sédoux-Berlusconi souhaitait déposer Robert Hersant pour prendre la direction des affaires, mais le patron du Figaro, au moins provisoirement, est parvenu à sauver son fauteuil. Il va avoir le temps de retourner suffisamment de choses pour que le putsch qui devait réussir, vous savez, les putsch, un certain nombre comme ça dans l'histoire, qui devait réussir, qui ont échoué, ben celui-là qui devait réussir va échouer. Entre Hersant et les putschistes, une bataille juridique s'engage. Tout l'automne 89, les actionnaires de la 5 vont s'entre-déchirer au tribunal. Devant le tribunal de commerce de Paris, le groupe Hersant-Vern accuse ses adversaires de montage irrégulier de majorité d'actions et le groupe Berlusconi-Sédoux accuse les précédents d'avoir trafiqué une augmentation du capital pour garder la majorité, donc le pouvoir. En fait, c'est beaucoup plus compliqué, mais je résume. En décembre, la justice donne définitivement gain de cause à Robert Hersant. C'est une victoire, mais son goût est amer, car les recettes de la 5 ne décollent toujours pas. Le poids des pertes menace désormais d'écraser son groupe de presse. Quelques jours avant Noël, Hersant convoque le directeur de la 5. Le 21 décembre, on se souvient très bien,
Il m'appelle pour aller pour le rencontrer seul. Il me dit, vous venez seul, avec une feuille de papier, une seule. Et sur cette feuille de papier, je veux avoir tous les comptes sur 2 ans, 1990-1991, après l'application des décrets de Madame Tasca. Sur ce document, Philippe Ramon a mesuré l'impact financier de la prochaine réglementation. Il en ressort dans tous les cas de figure que la 5 s'expose à un déficit fatal. Pour Ersan, fatigué des luttes intestines et conscient d'avoir échoué à faire une chaîne de qualité, une seule décision s'impose. Il m'a dit, Ramon, on part. Ersan renonce à la 5 et va minutieusement préparer sa sortie. Il exige que cette décision reste confidentielle. Le temps de parvenir à un accord avec l'homme auquel il songe à revendre la 5, le patron d'Hachette, Jean-Luc Lagardère. Robert Ersan est un habitué des acrobaties bancaires, mais cette fois, il joue très gros. S'il reste patron d'une 5 qui court au dépôt de bilan, il sait qu'il devra supporter une grande partie des pertes. Le scénario qu'il va construire pour se retirer est digne d'un thriller financier. Le groupe Hachette lui semble un partenaire tout désigné. Son PDG Jean-Luc Lagardère, candidat malheureux à la reprise de TF1, ne considère-t-il pas comme un handicap le fait d'être absent de la télévision ? Il disait lui-même, sans une télévision, on est unijambiste. Pour un grand groupe de communication aujourd'hui... C'est vrai que nous donnions l'impression d'être un peu infirmes en n'ayant pas une position dans la télévision. C'est vrai. Ersan, Lagardère, c'est la rencontre de deux urgences. L'un veut vendre une chaîne et récupérer sa mise, l'autre ne demande qu'à acheter. Un matin de janvier 1990, Robert Ersan se rend au domicile de Jean-Luc Lagardère et lui fait une offre qui paraît séduisante. Monsieur Ersan vient me voir un matin, et me dit, voilà, je vais reformer complètement le capital de la 5. Je souhaiterais, si vous y voyez un intérêt, est-ce que vous soyez mon associé en lieu et place de quelqu'un qui s'en va. Celui qui veut partir, c'est le perdant du putsch, Jérôme Sédoux. Habilement, Ersan va se charger d'une transaction qui sert son plan. C'est lui qui me dira, de toute manière, il y a quelqu'un qui vient sans arrêt me voir et qui sans arrêt me téléphone et qui veut acheter, qui est Jean-Luc Lagardère. Donc écoutez, je m'en occupe, je vous rappelle. Et donc Robert Ersan s'en est occupé et j'ai donc vendu aux conditions que j'avais demandées à Jean-Luc Lagardère. À partir de ce moment vont se dérouler des tractations entre Robert Ersan et Jean-Luc Lagardère. Les deux hommes se voient seuls, sans leurs collaborateurs. Et fin mai 1990, Hachette fait publiquement son entrée à hauteur de 22% dans le capital de la 5 après avoir racheté la part de Jérôme Sédoux et de petits actionnaires. Officiellement, Hachette ne dirigera pas la chaîne, mais c'est une question de patience. Ersan a laissé entendre que d'ici 2 ans, il pourrait passer la main. On n'entre pas dans la 5 minoritairement pour y rester minoritaire, mais avec non pas la certitude, mais l'hypothèse, voire l'espoir que peu à peu... nous en deviendrions les responsables. En réalité, Ersan est plus pressé qu'il ne l'a dit de quitter la 5. Dès la rentrée 90, il annonce à Jean-Luc Lagardère son intention de ne plus diriger et lui propose de prendre le relais. Pour Hachette, qui ignore ou sous-estime la réalité comptable de la 5, c'est l'occasion ou jamais. Et nous considérons donc qu'en effet, c'est un choix qu'il faut faire. On ne l'a pas recherché. On l'a absolument pas recherché. En aucune façon, en aucun moment, je n'ai été demandeur. Mais c'est une opportunité. Voilà. Une opportunité qui ressemble à un piège. Ersan dicte les modalités financières de son retrait. Pour contrôler la 5, Hachette doit s'engager, par le biais d'accords secrets, à racheter, quoi qu'il advienne, la part d'Ersan. L'opération demande du doigté. Un changement d'opérateur ne peut se faire qu'avec le consentement du CSA. Voilà pourquoi, un jour de septembre 1990, Robert Ersan rend une discrète visite aux membres du CSA, où il vient faire valoir sa lassitude personnelle et la solution de continuité que représente Hachette.
Et donc, il est venu ici. Je me souviens très bien qu'on avait baissé tous les rideaux au 18e étage, dans cette salle du conseil, parce que, nous a-t-on expliqué, Robert Arsan craignait le vertige. Et donc, il est arrivé et... Et il m'a dit que... Il aurait souhaité que ce soit autre chose, que, en effet, ça n'avait pas correspondu tout à fait à ce qu'il aurait aimé faire, qu'il fallait savoir passer la main. En quelque sorte, il devait déposer son sac, enfin, télévision, parce qu'il ne pouvait pas mettre en danger son groupe de presse. Au fond, cette solution soulage le CSA, qui commençait à craindre d'avoir à gérer une faillite de la 5. Hachette se dit prête à investir, que demander de plus? Catherine Tasca, Jack Lang et quelques journaux expriment des réserves. C'est une des nombreuses fois au cours desquelles le CSA n'a pas pris ses responsabilités. Je m'étais permis de dire, vu à la limite de l'obligation de réserve, faites votre métier, examinez, analysez, pesez et sous-pesez avant de donner votre aval à une opération qui risque d'être mortelle pour un grand groupe de communication et pour la télévision. Il eût mieux valu en sortir par un arrêt réel à ce moment-là. Il aurait dû tirer les conséquences de l'échec de M. Hersan. Sauf que l'ardoise était épouvantablement lourde pour M. Hersan. Et je pense que c'est ce qui a conduit tout le monde, enfin tous les gens qui ont pouvoir d'action là-dedans, à préférer, puisqu'après tout Lagardère y croyait et voulait bien en payer le prix, préférer jouer cette option-là. Même réticence, naturellement, dans les chaînes concurrentes. Et je peux vous dire que quand nous avons appris que M. Hersan allait se retirer et que Hachette était candidat, nous avons eu des contacts avec les gens de chez Hachette, des gens comme Sabouret ou Lagardère, qui sont sur un plan personnel des amis. Enfin, ce n'est pas du tout des gens avec qui nous sommes en non-relation. On dit « Vous êtes fous ! Vous allez vous planter. » Donc la responsabilité du CSA était de dire non. Ça suffit. La preuve est faite que ça ne marche pas. On ne réattribue pas. Mais personne au CSA ne veut porter la responsabilité de la fermeture d'une chaîne. Plutôt Hachette que l'écran noir. En octobre, le CSA prévoit une audition du projet Lagardère. C'est le moment que choisit Berlusconi pour se rappeler aux bons souvenirs de ses partenaires. Tenu à l'écart des tractations, l'Italien découvre que Robert Hersan et les autres actionnaires de la 5 ont secrètement vendu leur part à Hachette et sont donc tirés d'affaire. Tous, sauf lui. Furieux, il veut lui aussi récupérer sa mise. Il est prêt à tout, y compris à passer sur TF1 qui lui ouvre grand ses portes, non sans arrière-pensée. Et c'est vrai qu'on a aussi essayé d'obtenir que le groupe Berlusconi, il n'aille pas avec le groupe Hachette. Mais le groupe Berlusconi, il avait toujours son catalogue. Alors Berlusconi disait une chose simple, moi je donne mon catalogue au plus offrant. Berlusconi menace Hersan et Lagardère de quitter bruyamment la 5. S'il passe aux actes, la chaîne implose. Le CSA devra reconsidérer l'autorisation de la 5 et peut-être l'annuler. Alors le plan Hersan-Hachette s'effondrerait. Il tenait un pouvoir de nuisance, certainement extrêmement important. Une partie de poker à plusieurs milliards de francs commence alors. À la veille de son audition, Jean-Luc Lagardère doit céder aux exigences de Berlusconi. Comme il l'a fait pour Hersan, Hachette s'engage à racheter la participation de l'Italien dans la 5, mais en plus à acquérir ce fameux catalogue de programmes, évalué à 90 millions de dollars, soit près de 500 millions de francs. Fort de ses garanties financières discrètement négociées, Berlusconi peut alors publiquement annoncer qu'il reste, selon son expression, fidèle à la 5. J'ai décidé de rester comme partenaire au 25%, de suivre dans les augmentations prochaines du capital et de conférer ma confiance pour la gestion de la 5 au groupe Hachette. C'est une excellente opération pour Hersan et Berlusconi. Mais c'est aussi déjà la promesse d'un coûteux désastre pour Hachette. En résumé, avant même d'être opérateur, et alors que la loi interdit à un actionnaire de posséder plus de 25% d'une chaîne, Hachette s'est assuré en s'engageant pour environ 2 milliards de francs le contrôle secret de la quasi-totalité du capital de la 5. Officiellement, tous les actionnaires sont de vrais actionnaires. En réalité, un seul sera responsable, quoi qu'il arrive, de la totalité des pertes, Hachette. On ne peut pas dire qu'on a fait des choses illégales, parce que ce n'était pas le cas.
et nous n'avons pas dépassé les 25% qui nous étaient impartis par la loi. Mais il est vrai qu'il y a eu un certain nombre d'accords avec les autres actionnaires qui, au fond, consistaient très simplement à aménager notre pleine responsabilité de direction en échange, ce qui était totalement logique, d'un minimum de garantie quant aux risques que couraient les autres actionnaires. Donc ce que vous décrivez, qui est en termes financiers la technique du portage, qui est fréquente en affaires, faut le noter, parce que c'est aussi quelque chose qui intellectuellement ne heurte pas les gens qui sont dans le monde des affaires. Le portage, c'est classique. Alors, la loi sur l'audiovisuel est censée ne pas permettre ces pratiques. Bon, écoutez, ce que j'y fasse, hein, comment peut-on, hein, on ne va pas sonder les cœurs et les reins, je ne peux pas les passer à la torture pour qu'ils me disent s'il y a un accord ou s'il n'y a pas eu un accord. Quand l'audiovisuel entre dans le monde des affaires, ou quand le monde des affaires entre dans l'audiovisuel, au fond, les pratiques des affaires, elles y entrent assez naturellement. Il faut beaucoup de force et beaucoup de volonté pour y échapper. Si Lagardère m'avait expliqué la situation, alors là, sans doute au moment où on a donné l'autorisation, on n'aurait pas donné, parce que je m'avais dit, c'est suicidaire pour vous et c'est calamiteux pour la chaîne. On essayait simplement de bâtir une entreprise viable et un petit peu cohérente à partir d'une situation juridique et de textes qui, eux, ne l'étaient pas. En dépit de premières rumeurs sur l'existence de ces accords, le CSA n'intervient pas. Et le 20 octobre 1990 peut se jouer le théâtre classique de l'audition chargée de promesses. Pour proposer sa chaîne généraliste haut de gamme, de qualité, Jean-Luc Lagardère était bien là avec toute son équipe Hachette. Le sortant Robert Hersant, lui, s'était fait représenter par Yves de Chaise-Martin, tandis que l'italien Silvio Berlusconi, arrivé en retard, fut plutôt discret pendant ces trois heures. Autant dire qu'Hachette apparaissait comme un vrai repreneur. Je dis que Hachette et ses associés vont sauver la 5. Nous allons développer les acquis et nous voulons devenir à terme, patiemment mais sûrement, un acteur majeur. Cet engagement, il est réfléchi, il est déterminé, il est raisonné. Le lendemain, le CSA confie la 5 au groupe Hachette. Jean-Luc Lagardère y croit. Il mise sur une nouvelle équipe et de nouveaux programmes. Mais il faudrait un miracle. L'ampleur du déficit a déjà scellé le sort de cette chaîne. Tout comme sera bientôt scellé dans le secteur public le sort du premier président commun d'Antenne 2 et FR3, Philippe Guillaume. Depuis son arrivée en août 89, la situation de Philippe Guillaume n'a pas cessé de se dégrader. Si on fait de la bonne télévision, on est dur à tuer. Donc il faut s'occuper de faire de la télévision. Il ne s'en occupait pas du tout. Et il me disait, mais ça, l'année prochaine, cette année, on va refaire l'électricité, le machin. J'ai dit, mais tu hop. Il me disait, l'année suivante, on se rendra compte que ça va bien, et la troisième année, on me suppliera de rester. Et moi, je lui ai répondu, dans toute cette période de crise, il n'y aura pas de troisième année, il n'y aura pas de deuxième année. Tu seras mort avant. Fin 1990, les chaînes publiques sont à la dérive. Erreur de programmation, grève, renvoi de stars, déficit croissant sur Antenne 2. Le pouvoir est inquiet. Le Premier ministre, le ministre des Finances, ceux qui suivaient ce dossier à l'Élysée, Jacques Lang, bien sûr. Si, là, tout le monde s'est dit, attention, on va à la casse. À mesure que le temps passait, on apprenait que les déficits se creusaient, 200 millions, 300 millions, 400 millions. C'était là, de crise en crise, de difficulté en difficulté. L'audience, au lieu de monter, avait baissé. Les titres étaient les funérailles du service public, on appelait les 7 d'or. Hein. Émaillé d'incidents, la cérémonie des 7 d'or 90 se déroule alors que viennent d'être supprimées plusieurs émissions d'Antenne 2, dont celle de Frédéric Mitterrand. Je prends ce 7 d'or et puis je le mets là où se trouve le service public. Une jolie blonde des Bluebell Girls le ramassera sans doute tout à l'heure devant les caméras de TF1 triomphantes, c'est-à-dire par terre. Le sentiment général, pas seulement au gouvernement, dans l'opinion publique, dans la presse, parmi les professionnels, est que le service public est vraiment mal barré et qu'il faut par conséquent trouver une solution
pour sauver le navire du naufrage. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est quand même le gouvernement qui a dû parler avec le CSA et dire, bon, quand arrête-t-on les problèmes qui prenaient un tour dangereux pour les entreprises, sûrement dur aussi d'ailleurs pour Philippe Guillaume. Au lendemain des 7 d'or, le gouvernement qui a déjà en tête le nom d'un successeur demande au CSA de révoquer Philippe Guillaume. Embarrassés à l'idée de renier celui qu'ils avaient élu, les membres du CSA délèguent l'un des leurs pour obtenir d'urgence la démission du PDG. C'est une conversation, je dirais, pas difficile, mais enfin, je lui ai expliqué tout ce qui est l'enjeu complet, une espèce de très long panorama de la situation telle que je la voyais, telle qu'elle m'apparaissait, et qui débouchait sur, à mon avis, la nécessité pour lui de démissionner. Et je lui dis, et si vous prenez cette décision, il me semble qu'il faut la prendre tout de suite. Alors, il était évidemment très choqué parce qu'il n'avait pas envisagé cette hypothèse, en tout cas aussi vite précipitée. Mais quand vous dites aussi vite, je lui ai dit aujourd'hui même. L'après-midi même, à 15h, Philippe Guillaume convoque la presse dans un grand hôtel parisien. Et c'est là que dans un tohu-bohu, où un certain nombre de syndicalistes étaient venus exhibant leurs cartes professionnelles pour le conspuer, tout d'un coup, dans un silence émouvant, il a annoncé son départ que personne n'attendait. Vraiment personne. Et que c'était le secret avait été totalement gardé. L'intérêt supérieur du service public et l'idée que je m'en fais me conduit à tirer les conséquences de cette situation, c'est-à-dire à donner ma démission. Une heure plus tard, le président du CSA prend contact avec le successeur souhaité par le pouvoir, l'ancien PDG de TF1, Hervé Bourges. Cette fois, la procédure est expéditive. Ni candidature, ni compétition, pas même une audition. Je me souvenais qu'il pleuvait fort ce jour-là, très fort même, et que Jacques Boutet me demande de venir le voir d'urgence au CSA. Je lui ai téléphoné pour lui demander s'il était candidat. J'ai dit, je ne suis pas candidat. Si vous me dites que le CSA me désigne, bien évidemment, j'accepte. Si vous me demandez de venir présenter ma candidature, je ne le ferai pas. On va avoir une situation où il fallait aller vite. Hein. Mais je dirais que la rapidité avec laquelle la solution a été proposée en a surpris un certain nombre. Et puis on me demande de passer par les sous-sols, d'arriver à tel étage où quelqu'un viendrait me chercher. Et puis on m'emmène non pas dans le bureau du président Boutet, mais à un endroit que je ne suis pas capable de reconnaître aujourd'hui, parce que c'est un endroit indéterminé. Et Jacques Boutet me fait asseoir et me dit, voilà, Guillaume vient de démissionner, il nous faut trouver un président. Nous sommes tous d'accord pour que ce soit vous. Tous, ou presque. Nommé par 6 voix et 3 abstentions, Hervé Bourges s'attelle à la restructuration d'Antenne 2 et FR3. Celle-ci va se traduire par la suppression d'un millier de postes et la réunion des 2 chaînes au sein d'un même groupe, baptisé France Télévisions. Alors que commence pour France 2 et France 3 une lente remontée, une chaîne privée est au plus mal. La 5 se meurt. À la rentrée 1991, un an après sa reprise, la nouvelle 5 est un échec. Les contraintes réglementaires, la crise du marché publicitaire pendant la guerre du Golfe ont encore alourdi le déficit. En septembre, les pouvoirs publics s'alarment. Le nouveau ministre de la Communication, Georges Kiegeman, qui a remplacé Catherine Tasca, rencontre Jean-Luc Lagardère. Le patron d'Hachette se veut confiant. Et il me dit très clairement que quoi qu'il arrive, il a tout prévu pour tenir au moins 2 ans. Et moi, je suis peut-être là encore naïf, mais je crois que quand le chef d'un grand groupe international qui a réussi dans bien des domaines autres que l'audiovisuel vous donne l'assurance qu'il a tout prévu pour tenir dans la pire des hypothèses 2 ans, c'est qu'il va tenir dans la pire des hypothèses 2 ans et pas 2 mois. Seulement, il se trouve que Jean-Luc Lagardère n'avait pas les fameuses réserves qu'il avait cru de bonne foi ou qu'il avait fait semblant de mauvaise foi d'avoir à sa disposition. Redoutant une crise majeure dans l'audiovisuel, le gouvernement tente alors de forcer un mariage entre la 5 moribonde et M6, une chaîne qui commence à sortir la tête de l'eau.
Pour sauver la 5, il y a d'abord une tentative de la rapprocher de la 6, avec une réunion organisée par Jacques Lang et à son ministère, à laquelle j'ai participé, et où il s'est très vite confirmé que la 6 ne souhaitait pas du tout ce rapprochement sous aucune forme. Ils n'étaient pas consentants. Ah, pas du tout. Là, je dois dire que j'ai encore en mémoire dans mon bureau une réunion. J'avais invité à venir Jérôme Monod et Jean-Luc Lagardère. Et disons que j'avais peine à obtenir qu'ils échangent quelques paroles. Il fallait faire la conversation. Alors, je dirais d'abord que j'ai été extrêmement choqué que des ministres d'un gouvernement, quel qu'il soit, s'amuse à jouer les marieurs de chaînes de télévision. De quoi je me mêle ? L'échec de cette tentative contraint la 5 à chercher de l'aide ailleurs. D'abord du côté de Canal+, qui n'est pas intéressé. Puis auprès du grand rival TF1. Les négociations s'ouvrent avec le groupe Bouygues, mais elles tournent court. On ne va pas rentrer dans la 5. La loi ne nous autorisant à prendre que 15% dans une 5 qui est une spirale de perte. On a tout entendu qu'on était fossoyeur de la 5 ou qu'on était fossoyeur de rien du tout. C'est le CSA qui avait fossoyé un système. Et le groupe Hachette s'est fossoyé tout seul dans cette affaire-là parce qu'il n'avait qu'à pas y aller. C'est-à-dire que tout le monde était heureux de tuer, de voir disparaître la 5, de tuer, de voir disparaître Lagardère. En décembre, Hachette n'a plus le choix. Il faut à la 5 un plan de restructuration ou se résoudre au dépôt de bilan. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Il y a ce soir à la 5, 576 licenciements sur 820 employés, tout type de contrat confondu. Le coup près est donc tombé, plus dur, plus violent que dans les plus sombres prévisions. Sur 820 personnes qui travaillent régulièrement pour la 5, 576 vont voir leur contrat interrompu ou non renouvelé. En clair, les deux tiers du personnel de la 5 va être licencié. Ce plan ne passe pas. Le 31 décembre au soir, Jean-Luc Lagardère dépose le bilan. L'aventure de la 5 aura coûté au groupe Hachette 3,5 milliards de francs. J'ai pris une grave responsabilité que jamais personne n'a pris dans le domaine de la télévision, c'est-à-dire arrêter. Personne ne croyait que je le ferais. Personne. Personne. Je l'ai fait. Parce que, et sachant tout ce qui retomberait sur moi, bien que je n'étais pas directement, et ça fait rien, je l'ai fait. Parce que je considérais que c'était mon devoir de le faire pour le groupe, et que c'était aussi montrer à tous les autres comment ils s'étaient comportés. Donc le dépôt de bilan, c'est une situation, c'est une décision abominable, humaine, psychologique, vis-à-vis de l'ensemble des salariés, vis-à-vis de tout le monde. Mais ce n'est pas une décision, c'est un constat. Il y a un jour, on constate qu'on est dans une situation telle que, tel le boutiquier de Balzac, on est dans une situation donnée. Et puis c'est tout. Et le rideau est tiré. Les dés ont donc été jetés ce matin. Hachette déclare forfait, Hachette accuse aussi. Selon les responsables de l'entreprise, les hommes politiques n'ont rien fait. La télévision française est sinistrée. C'est une véritable sidérurgie. Cela, les milieux politiques n'ont pas voulu le comprendre. Les coupables, ce sont ni les ministres, ni les règles. C'est, je dirais, ne mettons pas en cause Jean-Luc Lagardère, encore une fois, qui est un chef d'entreprise de tout premier plan. Les coupables, je dirais, c'est nous collectivement les Français. Il y avait comme une sorte de vanité française à croire que parce que c'est la France, on pouvait se payer 5 ou 6 chaînes généralistes, publiques et privées. Et ça n'est pas possible. Les politiques mises en cause, seulement selon les actionnaires italiens de la 5, il faut aussi chercher ailleurs les responsabilités. Les représentants de Silvio Berlusconi ont ce matin pris leur distance avec Hachette. À partir de ce moment, Hachette a assumé la direction et la responsabilité opérationnelle de cette chaîne depuis octobre 90, en ne tenant pas compte ni de l'expérience du groupe Berlusconi, ni de l'expérience de ses hommes et de tout le travail qui a été fait depuis le début de cette 5. En janvier 1992, le groupe Berlusconi propose un plan de sauvetage de la 5. Sitôt connue, cette hypothèse déclenche l'hostilité générale. Gouvernement et CSA vont tout faire pour s'y opposer. Pour une fois, tout le monde est d'accord. Personne ne veut de Berlusconi.
Mais plutôt les cramoirs, oui, en tout cas, certainement pas Berlusconi. Mais les plus hostiles à une relance de la 5, ce sont ses concurrents. À l'initiative de Canal+ et TF1, les chaînes françaises s'organisent en coalition. Elles proposent de créer ensemble une chaîne d'information qui prendrait la place de la 5. L'objectif est double, chasser Berlusconi de France et faire en sorte qu'aucune chaîne commerciale ne renaisse sur ce réseau. On l'avait quand même assez vu, M. Berlusconi, hein. Et par conséquent, l'idée que cet homme se présente comme le sauveur de la 5 avait quelque chose de cynique ou de bouffon, ou les deux. Le projet de chaîne d'information n'est pas retenu. Mais la coalition l'emporte tout de même. Isolé, Berlusconi renonce à la 5 et quitte la France. La liquidation judiciaire est prononcée. Le 12 avril 1992, à minuit, pour la première fois dans l'histoire de la télévision, une chaîne privée nationale s'éteint. Pourquoi ? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à fermer ce petit écran ? Ils veulent faire une deux ensemble. Pour que ça ne me distrait pas. La 5 ne distraira plus personne. Saluée par des déclarations poliment attristées, la disparition de la 5 réjouit ses concurrents. L'événement consacre la victoire de TF1 dans la télévision commerciale et met un terme aux grandes secousses qu'a connues l'audiovisuel français dans les années 80. La 5 est morte et le pouvoir va prendre les décisions qu'il estime nécessaires pour qu'elle ne ressuscite jamais. La première de ces décisions consiste à neutraliser une fois pour toutes le cinquième réseau. À cette fin, le gouvernement Bérégovoy décide d'y installer Arte, une chaîne culturelle franco-allemande initialement destinée au câble et que préside Jérôme Clément. Alors, moi, je suis assez partagé. Hein. Je suis assez partagé. Est-ce qu'on se dit, non, Hachem, reprendre le réseau de la 5, comment on va faire ? Occuper un réseau toute la journée, c'est quand même vraiment difficile. Comment est-ce qu'on va faire ? On n'a pas les droits. On va succéder à une chaîne commerciale. C'est donc un changement de public complet. Donc les gens qui sont habitués à avoir des paillettes à la Berlusconi et qui ont balancé un programme culturel européen, ils vont se demander ce qui leur arrive. On était à un an des législatives. C'était démarré dans les pires conditions. En mars 1993, nouvelle cohabitation. Le RPR Alain Carignon hérite de la communication. Comme ses prédécesseurs, la première chose qu'il annonce est la mise en chantier d'une nouvelle loi. En attendant, un dossier préoccupe le pouvoir, la prochaine présidence de France Télévisions. Car derrière la fiction de l'indépendance des CNCL et autres CSA, les gouvernements de droite comme de gauche n'ont jamais renoncé à s'immiscer dans la désignation des dirigeants de chaînes publiques. Fin 1993 doit s'achever le mandat d'Hervé Bourges. Aux yeux du CSA, le PDG de France 2 et France 3 n'a pas démérité et sa reconduction paraît acquise. À un détail près, le gouvernement Balladur et Alain Carignon ne veulent pas d'Hervé Bourges et le lui font comprendre. Je sens très nettement que se fait jour une certaine campagne disant « Ah, il faudrait changer la tête de la télévision ». Certains d'ailleurs me font comprendre qu'il serait très facile, par le simple biais d'un amendement, de supprimer la présidence commune. On n'enlève pas Hervé Bourges, on supprime la présidence commune. Que, au moment du budget, on pourrait être dur à l'égard du président de France Télévisions. On m'a dit on peut faire sauter aussi le CSA par une loi nouvelle. Et on me dit, ben, les chaînes marchent bien, il n'y a aucune raison que vous ne restiez pas, mais il faudrait nous donner quelques gages. Ce sont les mots propres employés par le ministre de la Communication de l'époque. Je n'ai pas donné de gage. Et je n'avais pas en donné. Si Alain Carignon tient tant à écarter Bourges, c'est qu'il soutient une autre candidature, celle d'un journaliste, Jean-Marie Cavada. Le ministre de la Communication a fait clairement connaître sa volonté au président du CSA. Très actif sur ce dossier, Alain Carignon a réfléchi dès l'été 93 aux professionnels qui pourraient, selon lui, rejoindre la future équipe de Jean-Marie Cavada. Parmi eux, un autre journaliste, Jean-Pierre Elkabbach. Vous voulez que je vous dise ? En août 93, un personnage important, qui avait un peu les manettes, qui était en charge de la communication, m'a dit « Préparez-vous à être directeur général de France 2. Choisissez vos hommes, à ma grande surprise. Prenez un mois de vacances. Les choses vont se faire vers novembre-décembre.
et vous serez directeur général de France 2. Et je me suis dit, c'est pas possible. Il y a plusieurs choses qui ne sont pas possibles. Premièrement, que le pouvoir politique décide d'ores et déjà, alors qu'il y avait le CSA, qui serait le président, en négligeant les instances qui avaient été créées. Et que déjà, cet homme du pouvoir politique, peut-être alors que les autres l'ignoraient, était en train de constituer, avec un ou deux de ses amis, les équipes à venir. Mais à partir du moment où je comprenais que le pouvoir politique, cette fois-ci, disait « on ne va pas nommer un grand diplomate comme Maurice Ulrich, on ne va pas nommer un haut fonctionnaire, on ne va pas nommer un chef d'entreprise, mais peut-être un professionnel de ce métier », il n'y avait aucune raison que je ne me lance pas, à mon tour, dans la bataille. En décembre 1993, plusieurs candidats, dont Xavier Guillou-Beauchamp, sont dissuadés de se présenter par le gouvernement. Hervé Bourges renonce également. Sa succession est alors l'occasion d'un duel entre deux journalistes reconnus. Mais l'insistance et la maladresse avec laquelle Alain Carignon soutient Cavada irritent le CSA. Mais il a été très desservi parce qu'il était trop le candidat du ministre. Desservi à tel point que Jean-Pierre Elkabbach, dont la candidature est perçue avec bienveillance par François Mitterrand, comme par Édouard Balladur, est élu à l'unanimité des voix du CSA. Ironie de l'histoire, au moment où Jean-Pierre Elkabbach, victime symbole de 1981, accède à la présidence des chaînes publiques, un autre homme, André Rousselet, venu au pouvoir avec François Mitterrand, va se retirer spectaculairement de la chaîne qu'il a créée et qu'il préside, Canal+. Avec 3,5 millions d'abonnés, près d'un milliard de bénéfices, la chaîne APH suscite bien des convoitises. En 1994, la loi dite Carignon favorise la création d'un pacte entre deux actionnaires de Canal+, Havas et la Générale des Eaux, que préside Guy de Joigny. Une prise du pouvoir jugée inacceptable par André Rousselet, qui démissionne. Canal+ a vécu le conseil d'administration le plus court et le plus glacial de son histoire. 10 minutes pour sceller une époque et nommer un nouveau PDG. Président, c'est terminé. Vous n'êtes plus président de Canal+. Alors, vous pouvez m'appeler Rousselet, Monsieur, André, d'ailleurs, ça va aussi bien. Qui est le nouveau président de Canal+ ? Lescure, Pierre Lescure. Pour André Rousselet, le responsable de son éviction n'est autre que celui qui a permis à la loi Carignon de voir le jour, le Premier ministre, Édouard Balladur, qui l'épingle à la une du Monde. Quelques mois plus tard, une chaîne éducative présidée par Jean-Marie Cavada vient compléter les programmes d'Arte dans la journée. Et en janvier 1995, François Mitterrand accomplit son dernier geste audiovisuel. Il nomme Hervé Bourges à la présidence du CSA. Nouvelle ironie des choses, c'est à l'ex-PDG de TF1 et de France Télévisions, chassé par la droite, qu'il revient désormais d'arbitrer le jeu audiovisuel. Une époque s'achève, celle où en l'espace de deux septennats, la télévision est passée d'un monopole d'État à une situation de concurrence entre chaînes publiques et privées. Beaucoup de réformes, autant de ministres, des choix souvent improvisés dans l'urgence, des rendez-vous manqués, ceux du câble et du satellite. 20 ans après l'éclatement de l'ORTF, l'audiovisuel qui n'a pas cessé d'être un enjeu politique et financier semble se résumer à un affrontement bipolaire entre services publics et secteur commercial pour la conquête d'audiences massives et de recettes publicitaires. Mais pour combien de temps ? L'ère qui s'achève est sans doute aussi celle de la télévision classique, hertzienne, généraliste. Avec la montée en puissance demain de nouvelles technologies, l'apparition par dizaines de chaînes numériques, avec le croisement de l'ordinateur et du petit écran, les acteurs audiovisuels des années 80 apparaissent comme les personnages romanesques d'une décennie aventureuse, les architectes d'un paysage bientôt révolu.